Hello, hello, hello. Pardon. Alors, bon, je m'excuse pour la coupure d'Amidi, mais bon, comme si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez donc que mon grand-père a été hospitalisé et que du coup, je me devais d'aller le voir. Alors, comment on va grimper tout là-haut? En espérant avoir suffisamment de blocs. Potentiellement l'endroit pour ça, mais non. Faut croire que non. Aïe. J'ai pris légèrement cher. Bon, tant pis. Je vais récupérer la boue du coup que j'ai fait cuire et puis. Puis je vais y aller. Voilà, bon. Ah, la VRM, c'est comme ça. Ok. Ah, il y a... Très bien, il faut se téléporter comme ça. On va aller à la fin de l'ouverture. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en avait un dans les parages. Récupérer de la boue. Je vais taper la cloche pour récupérer les cœurs. Putain, il y en avait deux à côté. Non. Tiens, tu as réussi, tu as trouvé les grains de blé et tu as trouvé une nouvelle amie. Quand les sphérités de cœur ont commencé à poser leurs préceptes à Verchamp, les gens ont peu à peu abandonné la création, ils ont jeté leurs outils et laissé tomber les champs. Et si tu parvenais à faire revenir les gens et à leur redonner le goût de la construction, on pourrait renverser la pente. C'est pas une mauvaise idée. On pourrait trouver des travailleurs volontaires et les ramener sur notre île. En parlant de toutes les nouvelles choses que tu as trouvées, Dion, tu as encore de la place pour les ranger? Je me suis mise à la construction moi aussi. Tiens, j'ai fait un petit quelque chose pour ranger tes outils et tes matériaux. Un sac. Toi le sac. Avec ce sac, tu peux récupérer autant de matériaux que tu veux. Tu n'auras plus à craindre de devoir faire le tri. Ça c'est cool quoi. Très bien, John. Semons ces grains de blé. Si tu n'as pas assez de terre pour les semer, tu peux toujours frapper quelques grains de chou avec ton marteau pour les enlever et faire de la place. Ouais, alors... Oh, cet endroit est trop mortel. Est-ce que c'est le vénérable? C'est ça, pas vrai? Et vise un peu cette ferme de fou. Alors, je suis un soldat, tu vois, je suis plus dans la destruction que dans la construction, mais j'aimerais bien offrir mon aide. Alors, je vais peut-être rester un peu pour protéger les lieux. Les héritiers de Chaos, c'est terminé. À partir de maintenant, je veux que tu m'enseignes la construction. Ouais, c'est carrément là, ça va être trop mortel de dire à ces vieux débiles en robe où ils doivent se carrer leur stupide. Des paroles bien audacieuses. Seras-tu aussi brave lorsque le maître de la destruction réduira tes armes et ton armure en miettes? Ah, un de ces vieux débiles en robe dont je parlais. Très bien. Ouais, alors j'aimerais bien passer le texte. Merci. Ça, c'est chiant les textes qu'on peut pas passer. C'est là.
Bon, pour le moment, c'est pas un champ très esthétique, mais bon. L'important, c'est la production. Ouais, alors, on mettait... Voilà. Salut, Clem. Merci d'avoir semé ces grains de blé que je t'ai donné. Maintenant, on a un joli petit champ de blé. Mais il est carrément trop petit, tu vois. On n'a pas assez de bonne terre par ici. C'est vrai que je suis peut-être la meilleure fermière de Perchamp, mais même moi, je suis incapable de créer de la bonne terre à partir de rien. En fait, j'ai entendu parler d'un onduleux qui vit tout près d'ici. Il appartient à une tribu capable de nettoyer la terre contaminée et tout. Mais les héritiers de Chaos n'aiment pas trop ça, alors il fait profil bas. Je veux dire qu'il y a un verger qui peut mettre fin à tous nos problèmes de terre. C'est presque trop beau pour être vrai. On aurait l'amener ici immédiatement. À ce rythme, ça va mettre un temps fou pour récolter tout le blé qu'il nous faut. Autant en profiter pour aller voir où ce onduleux se cache. Alors, ouais. Il est né au nord. Au nord. Désolé. Aïe aïe. Alors c'est juste une illusion que j'ai eu. C'est pas vrai, y'a pas de rap là, mais... J'avais pas vraiment de rap là, ok. Là par contre, aïe. On a une ça. Oh non, c'est juste. Allez, faut qu'on level up, donc on a fait quelques times. C'est pas forcément ce qui fait gagner le plus d'XP, on est d'accord. Pas du tout, tu peux trouver ça. Peut-être que ce monstre mangeur de terre à l'est d'ici pourra te renseigner. Si tu veux le voir, tu le trouveras. Tu vas devoir faire vite. J'ai vu un groupe d'héritiers de Chaos à l'air mauvais qui allait dans sa direction il n'y a pas très longtemps. Oh, mais avant, j'oublie. Tu as déjà parlé à mon ami. Je te conseille d'écouter ce qu'il a à dire. Les gratatouilles sont toujours de bons conseils. Oui, j'ai appris un petit peu notre squeak. Oui, que font des humains par ici? Chercher le naviglobe, c'est ça? Eh bien, le voici, ce magnifique orbe qui est juste derrière moi. Dès qu'on le touche, on peut se téléporter ici quand on veut. Ouvre ta carte avec le truc au milieu, là, et tu pourras te téléporter vers n'importe quel naviglobe que tu as déjà pas activé, ou rentrer chez toi si tu préfères. L'île est plus grande que tu le crois, surtout à pied, alors ces trucs sont pratiques pour aller d'un point à un autre. N'oublie pas de les toucher si tu en croises. Tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout ça. Tous les gratatouilles de l'île sont aussi serviables que moi. Alors ne sois pas surprise quand on te donne des conseils utiles. Voilà. Très bien. J'ai même pas fait gaffe à ce que c'était.
Merde. Oh putain, mais oui, mais quel débile. Alors, viens m'aider. Du sable quand même, ça sera toujours utile pour plus tard. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur le live. On est toujours sur la première île de Dragon Quest Builders 2. Hey John, il se passe quoi ici à ton avis? On t'a enfin trouvé, saleté de verre. On a entendu dire que tu fabriquais de la bonne terre. Et tu sais la sanction pour tous ceux qui créent. J'ai rien fait de mal. C'est pas ma faute si la terre que j'incurgite ressort plus propre, hein. Si tu croyais à notre cause, tu détruirais immédiatement tout ce que tu fais. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu dois être puni pour ça. Qu'est-ce que vous regardez, humain? Vous voyez pas qu'on se sarce de dissidents? Qu'est-ce que vous... Eh bien, restez pas là, rien faire, venez nous aider. Sauf si vous vous opposez aux héritiers de Chaos, dans quel cas, on sera ravis de se sarcer de vous. Oh, dites-moi, faut que vous m'aidiez, les humains, par pitié. Va falloir choisir pour quel camp on se bat, John. Qu'est-ce que t'en penses? On choisit les monstres ou le monstre? Si vous devez réfléchir, c'est que vous êtes des infidèles, les héritiers de Chaos. Donc que faire de tels disciples? Je confirme, vous connaîtrez la même fin que ce passeur Zanziline. Allez les gars, en avant! Allez, on va maraviller du monde. Aïe, on prend tellement de choses. Un petit lancé sort là, marrage la trompe d'abord. On a pas sans armure. Ils sont relous. Voilà. Les monstres sont vaincus. Tudududu. Génial. Give me five. Allez. Ça alors, t'as donné une spam leçon à ces monstres qui me harcelaient. Merci infiniment, gros. Et qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais si loin de tout? Une bâtisseuse, dis-tu? Tu as construit la vieille ferme, avec un nouveau vénérable. Tu cherches quelqu'un de capable de fabriquer de la bonne terre, gros? Je savais que ce vieil arbre était de retour, je l'ai senti, gros. Je l'ai cherché partout. Et c'est celle qui l'a planté qui me sauve la mise. C'est sûrement le destin, ouais. C'est Babylone, ouais. Je suis un onduleux, vois-tu, gros. Nous formons tribu ancienne capable de purifier la terre, en tout cas avant. Je suis le dernier survivant, ouais. Ce truc dégueu et tout mou va assainir notre terre. J'ai hâte de voir la tête des autres quand on rentrera avec un verre géant. Je m'appelle Léon Brick en fait, gros. Et si on pouvait regagner ta ferme avant que d'autres héritiers de Carlos et Vark, ce serait formidable. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, je peux pas casser ça. Non, bon, tant pis. Je chantais qu'il y avait quand même un passage derrière. La ferme de Verchamp... Top. Ouais. Eh bien, en voilà une jolie ferme.
Elle est pas très grande, mais tout y est, les champs, les récoltes et même le vénère arbre. Poudjou, un monstre. Ah merde, c'est pas la bonne voie. Honte divine, t'as raison, un horrible ondule nous attaque. Bien de respect à Marov, va lui donner une bonne leçon. Ce n'est pas nécessaire, mes frères. Si je ne m'abuse, ce onduleux appartient à une tribu qui a saigné la terre de Verchamp depuis des générations. Nani ? Écoute-moi, cher frère onduleux. Partir d'aujourd'hui, tu vas nous aider à obtenir de nouveaux champs. Si tu échoues, tu te retrouveras 6 pieds sous terre. Essayez de me faire peur, hein. Eh ben, ça fonctionne, marché conclu. Hein. T'inquiète pas, face de verre, si ce type touche, si ce type tente de quoi que ce soit, je le réduis en bouillie. Merci, grand. Bien, je vais rester à pourrer les pions à faire pousser le vénérable. Je suis ravi d'offrir mon aide pour résoudre vos problèmes de terre. Si je suis doué pour quelque chose, c'est bien de purifier le sol. Ma foi. Ok. Ça disait qu'on avait une nouvelle arme qu'on pouvait fabriquer. Plus 18. Non, on va en faire 2. Ça, j'en ai que foutre. Ça. Tiens. Voilà. Merde. C'est ça que je voulais ranger. Et ça. Que je vais sortir. Et ça, Balrog. Ah, je peux pas lui filer. Bien joué, John. C'est trop mortel d'avoir un adulé dans l'équipe. Maintenant, va falloir que... avoir toute la bonne terre dont on a besoin. Maintenant que ce sample est tout mou, sois prêt à nous aider. Comme ça, tu trouves pas, John? On dirait que les monstres voient quelque chose en toi. Nos prières ont été entendues. Notre pénurie de terre est terminée. Et ça, c'est grâce à Mylène. Non, j'ai juste répété une rumeur. C'est John qui a fait tout le travail. Et merci aussi à Léonbrick d'avoir tout abandonné pour venir nous aider. Personne ne sait pourquoi, mais à Verchamp, les onduleux, les archers et les rats ont toujours été sympas avec les humains. Et peut-être qu'au cours de tes voyages, tu découvriras pourquoi. Nous, les onduleux, on est les gardiens des terres de Verchamp, gros. Puis toujours, ouais. Notre mission a toujours été de prendre soin du sol. Et maintenant que les héritiers ont lâché la grappe, je peux enfin m'y remettre. Il me tarde de voir cet endroit plein de vie, vers de la plage aux falaises. J'imagine que je devrais commencer par nettoyer cette horrible bourbe pour faire de la belle terre, non? Oh oui, s'il te plaît, Léonbrick. Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends ce moment. J'ai hâte de te voir assainir la terre. Compris, mais comment je fais pour savoir quel lopin je dois nettoyer? Ça marche. Ouais, enfin... je vais refabriquer quelques... Oh, je peux pas. Il faut que je récupère cela. Contre les fantômes. Moi, je vais récupérer tranquille tout ça.
Il va vraiment falloir que je fasse plus de lits quand même. Alors, ici, là. 4. Ouais. Ça devrait faire l'affaire, je pense. Voilà, on va dormir tranquillou. Pour passer la nuit. Hop là. Et alors je vais déplacer la porte aussi. Non, putain. Oui, je sais. Ça me permet. Ici. Merde, c'est pas celui-là que je veux prendre. Voilà. De déplacer ici ce qui est là. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qui serait bien aussi, ça serait que je puisse avoir une porte. Alors, je sais pas si j'ai ça. Peut-être pas pour le moment. J'ai pas là. Mais pour le moment, on laissera juste un passage ici. Voilà. Donc elle est ouverte. Oui, John, cette bombe infecte a disparu. Il ne reste plus que de la belle. Qu'il porte chaud. Ah bon, mais j'ai rien vu. Sérieux? Ah ouais. Pleurer pour de la terre. Ouais, blablabla. Ouais, super. Ah, ça c'est cool par contre. Alors, par contre, on va faire un truc dans notre champ là. Qui m'énerve. Ah putain. Tu me casses s'il te plaît. Merci. Voilà. On va remettre. Ah oui, ça n'a pas été. Ok. Du coup, oui, je vois. On va refaire des épouvantails. On va faire deux. Ah, à peu près par là, je pense que ça me paraît. Ah, il y a la zone de... Ça je peux pas le déplacer donc. Ils sont là-bas. Mais déjà on fait un peu plus de dommages grâce à l'épée. C'est
c'est quand même pas mal. Voilà. Tiens, John, maintenant que l'Henrik a rejoint l'équipe, cette ferme va vraiment décoller. Le seul truc, c'est que les monstres affolent de nos fruits et légumes frais. Quand je suis le seul gars, ça va pas le faire. Évidemment, on peut pas arrêter de faire pousser les aliments, non mais sérieux. Je pense qu'il me faudra une matinée qui intervient. Ouais, mais ça tombe bien qu'on a déjà une. Allez. Voilà, hop. Comment veux-tu que je sache, je parie. La seule personne qui connaisse son nom, c'est le tout-puissant chaos qui m'a personne. Non mais écoutez un peu, le tout-puissant chaos. Je me fiche de vous maintenant. Lançons plutôt les héritiers de John. Un groupe de joyeux bâtisseurs. En parlant de chaos, qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Tu penses qu'il va venir nous attaquer si? Alors, c'est quelle munition pour moi? C'est Bertille. Maintenant, John, les chances sont meilleures, ça sent la terre fraîche et plus la pourriture. Je pensais qu'à nous deux, toi une bâtisseuse et moi la meilleure fermière de Verchamp, on formait un duo de choc, mais avec lui on brique, en plus on ferme un trio de rêve. On va pouvoir faire autant de champs qu'on veut maintenant, enfin à condition d'avoir des graines à semer. Mylène m'a parlé des ruines d'une vieille ferme située au nord-ouest d'ici, de l'autre côté de la montagne. Je crois que c'est l'endroit rêvé pour trouver des graines, tu ne crois pas? Je vais te l'indiquer sur ta carte. Tu n'auras qu'à aller voir ça de plus près. Alors, je vais faire un truc. C'est que je vais rassembler les plants de choux au même endroit. Ouais. Hop. On réussit, John. On réussit 50 blocs de terre tout propre labourés à la perfection. Maintenant, on a suffisamment de place pour les 5 variétés de légumes que l'on faisait pousser à la ferme d'Auberchamp dans le temps. Au point que le vénérable se trisse et meurt, on faisait pousser toutes sortes de choses ici. Il y a même un festival pour les récoltes. On te divine, John, regarde le vénérable. Oui, bah tu me laisses déplacer mes champs de choux, s'il te plaît. Il a poussé légèrement et il a l'air un peu plus puissant. On dirait que ses tâches fonctionnent vraiment pas mal. Quand je vois quelque chose aussi précieux, j'ai du mal à réprimer mon envie de le détruire. Le pâtre se comporte encore bizarrement. Qu'est-ce qu'il va faire sauter cette fois? Une petite minute. Quand vous avez vu l'arbre pour la première fois, vous avez changé d'avis. Vous mentiez. Silence. J'en ai assez de t'écouter alors qu'il y a tant à faire. Arrête de me faire perdre mon temps et remets-toi au travail. Ouais bah c'est bon, bah arrêtez de me faire chier pendant que je fais mon travail. Tout simplement. J'aimerais finir de déplacer mon champ tranquille. Voilà. Pour... Alors. Ah merde, il y en a là encore. Pour le fou, ça ira très bien. Maintenant, on va mettre le bleu sur le tour. Voilà.
pour le chou. Ah, il est pas prêt celui-là, ok. On va aller le cuisiner d'ailleurs. On va cuire un peu de chou. Voilà. On va manger un petit peu. Et il y a un repère. Du coup, le quai est le plus proche. Ah ouais, mais non, on va aller sur la ferme des Gratatouilles. Et on va traverser sur la gauche. Par là, ça me paraît bien. Par la grande chaîne de montagne. Très bien. Eh bien, on va aller au quai. Ça sort plus fort. Ouf. Des gratatouilles. Bonjour humaine, j'ai une de ces fringales, vraiment je meurs de faim. Tout ce que j'ai c'est sur ces grains de blé, mais je suis ballonné quand j'en mange, je ne supporte pas le gluten. Tu penses que tu pourrais m'aider? Si tu me donnais 10 choux, ça me nourrirait un bon moment et je te donnerais ça. Ben écoute. Et c'est chaud, on les a dit oui. Et si je vois que tu en as 10, allez, donne-moi pitié, je meurs de faim. Bah oui, écoute. Merci infiniment, tu m'as sauvé la vie, humaine. Je suis peut-être qu'un rat, mais je ne suis pas un gras. Et si les graines que je t'avais promis. C'est lui qui me dira que tous les rats et les humains étaient dans le même camp avant. Toi, tu n'es pas au courant. Eh bien, nous, à vrai dire, je dois avouer que je ne m'en souviens pas trop, moi non plus. Alors, j'ai vu qu'il y avait un peu ici. Avec des graines de chou, super. Bon, avant d'aller s'occuper des zigotos au premier dîner, on va aller voir la quête de l'autre. Bonjour humaine. Une fille aussi intelligente que toi ne devrait pas avoir le vertige, pas vrai? Alors j'ai quelques trucs qui seront parfaits pour toi, ça te permet d'atteindre rapidement les... aventurier ne doit s'importe pour se rendre après. Ou on ne sait jamais quand on va trouver ce qu'on va trouver au sommet d'une colline mystérieuse. Tu veux contre moi, tu peux placer des blocs pour faire parvoi d'escalier. Sinon, pour maîtriser ces techniques pour grimper à toute vitesse. Essaye un peu, il y a un coffre là-haut. Ah, il est à toi, si tu parviens à l'attendre. Ben écoute, ouais, pas de soucis. J'aurais dû peut-être les garder. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, bravo, man. Tu crois qu'il y aurait une graine de vie cachée en haut de ces vieilles. J'ai eu du mal à arriver en haut, si tu ne trouveras pas. Tu finiras par trouver ça facile. Tu as l'air d'une aventure hier, man. J'espère que mes conseils et compétences d'escalade t'aideront au cours de tes voyages. C'est une graine de vie, votre chemin. Non. Bref. M'a dit de faire, mais elle encore là, peu importe, je vais la détruire immédiatement. Mmh. On ne sait pas à qui tu es, mais si tu me compromettais, j'aime autant que tu me laisses détruire cet endroit tranquille. Je te demande pardon.
On t'a dit qu'il y avait une vieille ferme ici, tu espérais pouvoir récupérer quelques graines. Eh bien, j'imagine que c'est bien la ferme que tu cherches. Les crains, elle aura bientôt disparu. Quant aux graines, j'en ai quelques-unes, mais je ne te les donnerai pas. C'est pas plus noble tâche que de tout détruire, tu sais. Je parie que le maître de la destruction, personne n'observe réduire cet endroit en miettes. Heureusement qu'il n'y a pas un de ces maudits épouvantails ici. Ces créations infernales ont une sorte de pouvoir sur moi. Dès que j'en vois, je ne peux m'empêcher de labourer la terre autour. Bien sûr, non seulement une fermier de paix. Quoi que tu fasses, étrangère, n'utilise pas cette étoile. On a compris. Non, c'est pas là qu'il fallait le faire. Voilà. Oh non, tu as vraiment mis un épouvantail au milieu de ce champ. Je t'avais défendu de le faire. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est beau de se faire manipuler par un simple objet. Ah, c'est bien ce que je craignais. Rien que de voir cet épouvantail, je ne peux m'empêcher de labourer tout autour. Oh maître de la destruction, entendez ma prière. Mes mains ont été souillées par le pouvoir de la création, je vous demande pardon. C'est par votre grâce, mon ami. Bon, c'est pas comme si j'en avais, quoi. Ah, mais... Portail de bois, barrière de bois. Énorme méchant. Tu as mis une barrière autour de ce champ, hein? Pourquoi diable as-tu fait ça? Non, ça me reprend, pourquoi? Je n'ai pas pu résister, j'ai labouré chaque centimètre carré à l'intérieur de cette barrière. Une espèce de démon, j'imagine. Bref. Comment si j'ai envie de... Allez. Bon, et au passage, quitte à faire, on va... Non mais... On va récupérer tout ça, hein. Ce sera toujours utile. Tu veux pas m'aider, Malraux? Ah bon. Ah, c'est pas très mal. Déjà le jeu parce qu'il va me péter les murs sinon. Voilà.
entame, essayer d'explorer un petit peu quand même. Ce serait dommage. De s'arrêter là. Enfin, pas dans la VOD, bien sûr. Pas dans le live, mais... On va s'arrêter tout de suite non plus. Feuille médicinale, ouais, j'apprends une nouvelle recette. Un bout de cône guerrière, voilà. Plus 30 PV. Un peu du coup de monde, hein. Pas se mentir. Ouais, c'est le village qui est là-bas. Tiens, du bois qui traîne ici. Voilà. Pour éviter d'avoir emmerdé avec tout ça. Merde. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être s'emmerder avec tout ça, on va lui donner un petit coup. La cloche. Voilà. Que 26, mais bon, c'est mieux que rien. On va aller récupérer ça. On va poser ça, on va cuisiner. On va mettre les blés ici. Ah merde. Voilà. Top là, c'était la cuisson catégorie. Alors, est-ce qu'on a déjà du blé? On va récupérer un peu de blé. Continuer à récupérer un peu de choux. Voilà. Oh putain, chute d'acheter. On va récupérer ça. Au passage, on va poser ça et cuisiner. Voilà. On va récupérer Maurice qui est là-bas. Incroyable, regardez-moi cette ferme, ce bâtiment, ce champ, cet arbre. Ces pêcheurs n'ont aucune chance de rédemption. Ce sont là des actes de construction intolérables. Toute la ville empeste la création. Vous êtes tous des hérétiques. Des hérétiques et des bâtisseurs. Pâtre, cette femme est une bâtisseuse. Une horrible et impardonnable pécheresse. Faites quelque chose, détruisez-la. Tu arrives à point nommé, disciple. Tu dois travailler les champs ici. Il faut labourer la terre et arroser les récoltes sans répit. Pas vous, pâtre. Pourquoi, mon pâtre? Pourquoi? Très bien. Je vous rejoindrai dans la perdition. Je ne peux pas désobéir au pâtre. Mouais.
Bon, Bertie. Qu'est-ce que t'as donc à me raconter, Bertie? Bon travail, John. Non seulement tu as trouvé de nouvelles graines, mais non, un nouvel ami. Gilles est comme moi. Il descend de l'une des grandes, plus grandes familles de fermiers de Berchamp. Sûrement pour ça qu'il ne peut s'empêcher de labourer les champs. J'ai réfléchi, John. On a suivi les ordres du parc et maintenant, on a de beaux champs et le vénérable a bien possédé lui aussi. Mais il y a sûrement d'autres tâches en plus des trois qu'il t'a confiées. Ça paraît tellement facile. J'imagine qu'il va devoir attendre pour vérifier ça. On va devoir attendre. Pendant ce temps, construisons plus d'épouvantails, labourons plus de champs et faisons plus de récoltes possible. Tu peux aussi faire des champs de taille différente en même temps. John, je vois que les améliorations dues et tu apportes à mon village progressent bien avec tes compétences améliorées. Beau travail, jeune fille. Tant que bâtisseuse en chef de notre ample village, c'est à toi qu'il incombe de nous inspirer en faisant un nouveau temps à tes cloches. Et tu dosais déjà en musique le faire ou tu l'aurais? Non. Ouais, je peux encore. Il en manque encore un peu. Tu me traînes ici contre ma volonté. Tu me forces à labourer tes champs. Alors que je suis un fidèle disciple des héritiers de Chaos, tu ne comprends pas que c'est horrible pour moi. Oh, sage et puissant maître de la destruction, ayez pitié de votre enfant. Quoi? Comment ça j'avais l'air sérieux de m'amuser quand je labourais ce champ? Pas pour toi, espèce de bête. D'ailleurs, si tu aimes tant construire, pourquoi tu ne ferais pas une grange? Tu dis que c'est une ferme, mais je ne vois pas les enfants qui sont sur les bases. Pièce avec un coffre collectif, une boîte de foin, des outils agricoles, du cordage, du bois chauffage et une chambre. Ouais. Dormir. Et comme ça, on va s'attaquer à la construction de la grange le lendemain matin. Tranquillou. Et on va pouvoir cuisiner un chou. Voilà. Alors. Une petite salle. Alors, on va mettre du plancher déjà. Non. Alors, on va l'agrandir un petit peu, hein, parce que c'est clairement pas suffisant. Bâtiment en forme de L, ce sera plus qu'agréable. Hop, mais il va me manquer du plancher. Il ne me manquait pas autant. On va remettre un petit peu de... sécuriser un peu autour. Et pour 3, on va casser un petit peu ici. Voilà.
Ouais. Du bois souple. Ce serait bien que je fasse une porte aussi. Porte simple. Je ferai les éléments qui me manquent juste après. D'ailleurs... on va déplacer ça là. Un jour, oh, si seulement mes parents étaient encore en vie, bon, j'étais tellement donné ces trésors, transmettre depuis des générations, on est heureux. Boule de compost. Ces boules de compost sont formidables, passe les portails et je te ferai pousser de la boue. Bien verte. Chauffage, je crois.
Voilà, ça protégera mon maman les champs. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais... Hop, voilà. C'est devenir bâtisseur comme toi. Ô grand et puissant chaos, je vous demande pardon pour les péchés que je suis sur le point de commettre, mais changez pas mon chien, pitié. Il m'a dit 30 jours.
Si les coffres collectifs servent pas juste à stocker et permettent aussi de partager des trucs avec nous, je te conseille d'y mettre un long paquet de voitures. Vu que les héritiers de Chaos nous ont défendus, malgré quoi que ce soit, on doit compter sur leur don pour survivre. Le diable est tout ça maintenant qu'on peut faire pousser notre nourriture et nous gaver autant qu'on veut. Fred, il y a une ces grandes catastrophes qui n'auront pas toute leur vie ou bien un certain temps dans le monde. Ouais, ouais. Je suis au courant, merci. Je vais donner un petit coup sur la cloche. Ok, j'avais déjà tout récupéré. Bonjour John, elle est bien jolie notre ferme, pas vrai, c'est génial d'avoir une bâtisseuse bien surtout. Un genre de table et un tabouret. Alors, la vaisselle alimentaire. Très bien. Alors, on va fabriquer toute cette daube. Allez, hop. Alors, une table basse. Voilà. Un tabouret centre. Et une vaisselle rudimentaire. Voilà. On va poser ce par là, ça me paraît plutôt bien. Top. Voilà. Table élégante. Voilà. On récupère les petits cœurs au calme. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais, le mec? Ah ouais, c'est ça. Mince, hop, il faut que je dépose ça, ça me fait chier. Bah écoute, par là, ça me paraît bien, hein. Comme ça, on va faire donner un peu de verdure ici. Puis tout peut le faire, par là. Voilà. Hop. Pas tout à fait le même verre que l'autre, mais tant pis. Voilà. Merci John. Maintenant je peux pouvoir admirer la nature sans le souci de mon estomac. J'arrive toujours pas à comprendre. On te dit ce qu'on veut et hop, t'inventes quelque chose et de nouveau avant de foncer, de construire. C'est bon à savoir que les choses doivent pas forcément être dans une pièce. Même si tu mets un lit ou une chaise dehors, on s'en servira, on sera ravi. Il faut pas oublier, c'est de mettre les objets les uns dans les mains, créer des ensembles, pour supporter cette chaise et cette vaisselle. Voilà, bref. Ouais, super. Je vais déplacer. Voilà, ça c'est comme ça. Je vais plus tard me servir. Ah, ça m'énerve un peu, mais bon. Maniaque. Hein. Un brique, machin. Ça a fonctionné, j'ai créé un petit nid de verdure tout seul, merci mon support. Ah, pas mal, les gens. Break, on est venu ici pour savoir comment rendre l'une de l'éveil plus vert, et je crois qu'on en a très peu. Break, tu peux faire partir cette larme. On voit que c'est toi qui as fait tout ça. Ah, ça oui, avant l'apparition des germes méphitiques, faire chanter les couleurs, tout ça. Et même des fois. Oh putain, c'est trop chiant, il y a trop de textes. Oh là. Ça m'assoiffe. Oh. Je vous laisse lire parce que là, je suis complètement déshydraté. Ah.
Oh, t'inquiète, on va trouver un moyen. Et qu'est-ce qu'il voulait, Justin? Ah oui, c'est ça. Il voulait que je monte la gratitude des gens. Je vais leur glisser un chou là-dedans. Hop. Voilà. On va récupérer ça. Et on va dormir. Il nous manque pas grand-chose en gratitude, mais bon. C'est des ingrats de toute façon. Voilà, il y en manque 9. Hein. Oh, mais chut, je voulais pas te parler. On peut améliorer le niveau de la base. Seul capitaine des grilles de bois, échelle, porte-à-tout. Oh oui, vous savez ce que ça veut dire. C'est qu'on va faire les chiottes, mon gars. Les chiottes. Ça a marché, fait être sonné dans la main. Salut, un des plébéiens. Parole, qu'est-ce qui se passe par ici? Os pauvre, une bâtisseuse, dites-vous? Je vois qui sème la désolation et le désespoir sur son passage. Gardez-moi sur les cordes, car on va vous écrabouiller. Allez, allons-nous-en, il ne faut pas qu'on se mêle à ça. N'avez pas envie de labourer ces chambres sans n'avoir pas le besoin d'arroser ces plantes? Hé, on voit tout de suite que ces gens sont enfermés. Ils ne peuvent pas regarder une si belle terre sans avoir envie de la labourer. Pareil, ma foi, je ne peux pas non plus dire que je n'ai envie de si belle fête. D'accord, on va bien se joindre à vous, mais pas un mot aux héritiers, d'accord? Allez, les textes qu'on peut pas passer. Dès que ton marteau a frappé cette cloche, l'énergie créatrice m'a submergé. T'observes travailler avec attention, John. Faisant des bâtiments et emprunte des récoltes que tu as faites de nos rêves et de nos espoirs une réalité. Et avec la gratitude que nous te montrons, tu peux tendre la cloche et devenir une meilleure bâtisseuse et réaliser d'autres de nos rêves. Quelle merveilleuse association! J'espère que tu continueras à mener les habitants de notre jolie ferme en tant que bâtisseuse attitrée. Ouais, faut pas rêver non plus, hein. Je vais pas faire ça que pour vous non plus. Qu'est-ce que tu dis? Voilà.
pas encore tout à fait prêt. J'ai quand même envie de retourner voir. Parce que par là-bas, je me demande s'il n'y a pas un point de téléportation quand même. Ce serait étrange qu'il n'y en ait pas, quoi. Après, il n'y en a peut-être pas. Hein. Possible qu'il n'y en ait pas non plus. Hein. Donc en attendant que le blé pousse, ça nous occupera bien deux secondes. Oh, des fourmis, super. Un panneau gratatouille. Ok, ça sert à rien. Il y a un endroit vers lequel on n'a pas encore été, c'est vers le sud. Pas y arriver hein. Bien évidemment c'est ironique hein. Pas du tout.
Ah ah, je t'ai eu. Oh, le critique que je lui ai mis. Oh, viens ici, salaud. Voilà. Bon, et après, on se retrouve vers le quai, c'est ça? Ah, non. C'est le sud-sud-est. Qu'on se fait, mais c'est mieux que rien. D'accord, en fait, on se retrouve bloqué par les chaînes de montagne. Ok, on va pouvoir récolter le blé et ça ira bien. Oh! Tu as prévu un pique-nique, ça expliquerait ton sourire. C'est le marais de Verchamps, vous voulez ne pas se perdre ici, je te conseille de toucher ce navet globe avant d'aller plus loin. Les ratatouilles, les archers ne te causeront pas d'angle, mais en fait, si tu as des problèmes, n'hésite pas à leur parler pour voir ce qu'ils m'ont dit. Ok, bon. C'est pas là qu'il faut qu'on aille, mais bon. On va récupérer. Notre blé pour finir la quête, hein. Moissonner le blé, ouais, la mission terminée. Vous avez fait un truc parfait, 50 épines de blé doré, la qualité est prête pour l'utilisation. Celui-là va être un symbole de prospérité ici à l'archant, on peut faire tellement de choses avec, plus jamais on ne connaîtra la fin. Surtout avec toi à la côté de John, j'imagine que tes compétences avec tes sauces te permettent également de concocter de délicieux petits plats. Regarde, John, le vénérable. J'allais dire Jésus, putain. C'était tellement le Messie dans, de toute façon, esclave simulateur, mais Jésus simulateur aussi, c'est sauveur. Yahoo! 50% homme, 50% esclave, 100% sauveur. Pour ceux qui ont la référence. Ouais, il a l'air plus robuste que jamais. Il a mis des murs. Tu l'as réussi. Tu as terminé toutes les tâches du grand patron t'avait confié. Tu as restauré les champs de Verchamps. Et c'est là, et la récolte s'annonce exceptionnelle. La terre est de nouveau fertile et riche. C'est ce qui renforce le vénérable. À son tour, le grand arbre accordera sa bénédiction à ta ferme, protégeant les fruits et légumes de ton dur labeur de son pouvoir sacré. Alors le vénérable donne sa force à la ferme, et la ferme renforce à tantôt le vénérable, il s'entraide. En effet, très chère fille, chère sœur, très bonne observation, mon enfant. Vous n'êtes plus d'aucune utilité désormais, vos carrières de fermier prennent fin.
ici et maintenant. Quoi? Je plaisantais. Arrête de t'arracher les poils de barbe. Notre mission n'est pas terminée, c'est un rapport. Oh là là. Beaucoup trop long, beaucoup trop de blabla. Permet. Voilà. Ensuite, je vais récupérer ça. Je vais placer, je vais cuisiner le blé. Voilà. Je vais déplacer cette boule là pour y mettre. Juste ici, voilà, et placer ce truc là juste ici. Ah ok, j'ai pas envie d'écrire un message. J'ai cru pouvoir que je pouvais mettre d'autres choses à l'aise. Non. On va faire cuire ça. On va faire passer la nuit. Voilà, on peut pas encore. Très bien. Combiner, non, on peut pas. Je vais manger la coquille risée, voilà. Et on va se battre. It's time to battle. Je sens qu'un combat se prépare, John. Et je ne me trompe, je ne me trompe jamais là-dessus. Je ne sais pas si c'est à cause de l'arbre que t'as planté ou de la cloche que tu fais sonner, mais quelque chose énerve les monstres. Il faut construire les meilleures armes possibles pour ceux qui peuvent se battre. Et ça, compte sur moi aussi, d'accord? Alors on est prêt à aller casser du méchant? Oui! Ne t'inquiète pas pour les dégâts occasionnés. On réparera tout ça quand les combats seront définis. Tâche surtout de donner une bonne leçon à ces misérables. Aucun problème. Allez, l'heure du carnage a sonné. Éliminons l'ennemi. Battle down. Oh, forcément, je me jette dedans comme un débile. Ça t'a pris.
Allez, il y en reste encore 10. Oh, ok. Alors, je vais commencer à m'arraver les petites de la magie qui vont nous endormir. Ouais, c'est parfait. Tendu du cul quand même. Ah bah ouais. Débroussaillage enfin, putain. La hache de pierre. J'ai pas vu qui pouvait l'équiper. On va aller regarder tout de suite ça. Ce jeu qui blablate beaucoup trop. Alors ce vénère arbre. Il y a encore à faire, pas vrai? Enfin, il a déjà pas mal changé. Au tout début, c'était qu'une simple pousse, tu te rends compte? À quel point tes compétences de création sont puissantes. Et puis, il y a les héritiers de Chaos. Qu'est-ce qu'ils veulent à ton avis, John?
Hein? J'ai entendu dire que Chaos avait déjà été vaincu par les descendants d'Elric, prince de Melkibone, l'île qui rêve. Je vais arrêter avec cette blague sur Elric, mais bon, c'est pas grave. Et que ses forces s'étaient éparpillées. Étrange. On dirait qu'ils font toujours la loi par ici. Il y a quelque chose de louche sur cette île. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que tout le monde dit que les bâtisseurs ne portent que destruction et désespoir. Qu'est-ce que ça cache? Vous deux, à quoi bon vous lever si tôt si c'est pour passer la journée à discuter? Il y a encore à faire pour que le vénère arbre retrouve toutes ses forces. Venez écouter comment procéder. Oh putain. Oui, alors, non. Je vais regarder déjà la... Voilà, seul malheureux. Ok. Eh bien, on va lui en fabriquer une. On va lui donner. Il est où? Malheureux. Malheureux, où te caches-tu, mon salaud? Voilà. Ouais, c'est pas très... Hop, très nourrissant, ça va faire surtout du pain. Il est où, Malrof? C'est pas vrai, il est planqué où, celui-là? Enfin, il est là. Qu'est-ce que tu faisais, mon couillon? Reviens là. Tiens, je te donne ça. Ça sera mieux que ton gourdin. Oui, oui, bah c'est bien, t'as fait mumuse avec. Allez. Voilà, on va aller parler au patraque. Avant de commencer, bâtisseuse, dis-moi, que penses-tu de la jeune fille nommée Bertie? Son apparence enjouée et son optimisme à toute épreuve m'empêchent de broyer du noir. Et c'est donc pour elle, tant que pour moi, que je te demande d'effectuer les tâches suivantes. Venez, mes vassaux, approchez. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour la récente attaque. Sachez que je ne leur ai rien demandé, cependant ma simple présence ici a pu... Oh, regardez le ciel. Oh là là, il est tout rose, il est tout gai. Est-ce que c'est... Hey, mais c'est pas un de ces machins là. C'est un germe méphitique. Et là, un autre, et encore un là. Pourquoi il y a plein de germes méphitiques tout à coup? Et qu'est-ce que ça cloche? Qu'est-ce qui cloche avec le ciel? C'est à cause de ce temps bizarre. Hélas, il semble que le vent mauvais souffle à nouveau sur Verchamp. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas corrompu ses terres. Cette maudite tempête est la source des germes méphitiques. C'est à cause de ce vent qu'une grande partie de la terre sur l'île a été contaminé. Une petite minute. Vous voulez dire que cette stupide tempête va détruire tout notre travail? Mais, tout allait si bien. On peut pas laisser ces horribles germes méphitiques détruire nos rêves. Faut faire quelque chose. Les germes méphitiques absorbent l'air qui les entoure pour le convertir en une vapeur viciée. Quand ils explosent, ce gaz toxique contamine la terre. Mais si on les empêchait d'absorber l'air, est-ce qu'ils flétriraient sans causer de dégâts? Peut-être. Je ne connais aucun moyen de stopper le vent mauvais. Et avec l'aide de John, nous pourrions peut-être détruire les fruits maléfiques. Il faut tenter, John. Il y a 5 germes méphitiques à la ferme. Enfermés de tous les côtés pour les empêcher d'absorber l'air. Ouais, enfin... Il y en a deux qui sont bien relous parce qu'ils sont plein de yeux de mouche, hein, quand même.
Hein? Ça a pas l'air de vous déranger plus que ça, mais... Moi, si. C'est galère, punaise. Ça l'a pris ce truc. Est-ce que c'est suffisamment haut ou pas? Ouais, ça va. C'est pas forcément les meilleurs matériaux que j'avais à disposition, mais quand même. On va sortir de la terre. Et puis là, il y a mon épouvantail qui va gêner, punaise. Oh. Non, mais c'est pas le moment de pas plus. D'accord, alors pourquoi l'autre ça l'a pas fait? Très bien. Ouais, je crois que c'est juste ça là. Hein. C'était juste peut-être pas les bons matériaux. Simplement. Ah, j'ai vraiment du mal avec ces... Peut-être que ce ne sont pas les mêmes touches. Enfin, les touches les plus appropriées. Voilà, j'ai tablé là. En fait, au final, on n'a pas besoin de détruire autant mon champ. Et merde, putain. J'en ai marre de démolir mon champ. Voilà. Voilà. Hop. Au passage, on va tout mettre le côté comme ça, ça ira bien. Tout sera revenu à zéro au niveau des récoltes. Et ça repoussera tout en même temps. Voilà. Hop. Alors. Quand même, hein. C'est un poil galère par moment. Je suis trop loin. Non mais, c'est sérieux? Sur le côté. Je me demande si tu fais juste ça, ça suffit. Ouais, c'est suffisant.
Youpi. C'est bon, tu les as tous eus. Merci infiniment, John. Maintenant, si on pouvait charger du vent mauvais... Enfin, au moins, on a éliminé les germes mythiques. Alors, on enfermait le pâtre. Ouais, bah, je vais planter les quelques graines de... De blé que j'ai eu. Même s'il y en a une, a priori, que je peux pas planter. Je vais récupérer mon pain. Je vais cuisiner ça. Je vais poser la grande majorité. Bah tiens, ça. Les choux. Le varech, parce qu'on ferait un chou. Et une grande majorité du blé, parce que, bah, clairement... J'en ai 106. Et ben, 86. Voilà. Voilà, hop. Ça permet comme ça d'avoir notre réserve de bouffe. Mais en plus, hop là. De laisser les autres faire un petit peu de taf. Tous les germes méphitiques ont été éliminés, dis-tu. Si je ne m'abuse alors... Regardez le ciel. C'est un oiseau. Non, c'est un hélicoptère. Non, c'est Superman. Oui. Non, putain. Génial, le vent mauvais s'est éloigné. Nom d'un grenouille qui s'osante, tu as réussi. Et pense le centimètre carré de notre belle terre n'a été contaminée. Très beau travail, John. Tes compétences de bâtisseuse sont remarquables. Nous, les héritiers de Chaos, avons causé la ruine de Verchamp. Nous avons détruit le vénérable pour que la vie disparaisse à tout jamais. Nous avons interdit aux humains de construire et leur avons ordonné de nous aider à réduire les bâtiments encore debout en poussière. Pour une incarnation de la destruction comme moi, c'était logique. Puis j'ai vu cette pousse fragile, le vénérable revenu à la vie et la force irrépressible de la vie qu'il renfermait. Quand j'ai vu cet arbre et les merveilles que tu réalisais, jeune bâtisseuse, j'ai été forcé de revoir mes principes. Oui, je me souviens. Vous avez dit avoir changé d'avis. John, je t'aiderai à rendre au vénérable son pouvoir d'antan. J'ai le savoir nécessaire en échange. J'aimerais être témoin d'autres de tes prouesses en construction. Ha ha ha, t'y crois, John? La construction est devenue populaire. Même le pâtre des héritiers de Chaos est impressionné. Écoute, jeune bâtisseuse, le vent mauvais soufflera peut-être bientôt. Il faudra alors détruire tous les germes méphitiques avant qu'ils ne détruisent notre travail. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre pour faire pousser le vénérable? Allez, dites-nous. Très bien. Je vais vous dire ce qu'il vous faudra faire afin que le vénérable s'épanouisse encore davantage. Ouvrez grand les oreilles. Il va falloir faire pousser 5 variétés de cultures différentes. Mais ce n'est pas tout. Ces cultures devront recouvrir un total de 250 carrés de terre dans le périmètre de la ferme. Il faudra explorer l'île de fond en comble afin de trouver les types de graines nécessaires. 5 types de cultures différentes. On a des choux, on a déjà des choux et du blé, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver d'autres variétés de graines. De nombreuses graines sont dissimulées aux quatre coins de cette île. Je vous suggère d'unir vos forces pour les découvrir. Qu'est-ce qu'il y a, John? Tu as quelque chose à dire? Comment? Tu penses qu'il est grand temps que je me joigne officiellement à vous?
Pour qui me prends-tu? Plutôt mourir que de m'associer à une misérable bâtisseuse. Je me lave les mains de cette affaire. Je plaisante, évidemment. Je serai ravi de me joindre à vous. En tant que nouvel habitant de votre village, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Hack, et je suis le pâtre de cette île. Vous pouvez m'appeler le pâtre Hack. LOL. Il aurait pu s'appeler Hick et être le Patrick. Voilà. Allez, là-dessus, abonne-toi, mets la cloche, comme on dit dans le jargon. Ou que pensez-vous de Hack Cueillant? Oh non, mais putain, mais même lui fait des jeux de mots à ma place, quoi. Non, mais sans déconner. Non, je crois que pâtre est quand même plus adéquat. Le patraque s'installe à la ferme de Verchamp. Et putain, encore un texte qu'on peut pas passer. Bon, j'en profite, je bois un coup. Waouh, le patraque est officiellement un villageois, ça me fait bien plaisir. Autrefois, les habitants de Verchamp ont organisé un grand festival au moment des moissons. On devrait peut-être faire la même chose quand le vénérable aura atteint sa maturité. Un festival de la maçon. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être amusant. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on trouve toutes les graines dont on aura besoin. Allez, au boulot. Ouais, super. Alors, Oh, un chien. Alors, John, tu sais comment on va pouvoir se procurer des graines? On a déjà du chou et du blé, mais il nous faudrait trois variétés supplémentaires. Si seulement on avait un épagneul de Verchamp sous la main, ces chiens ont un adorat hors du commun. Ils pourraient nous dénicher des graines en arrière-temps. Bon, je vous traduirai pas les... Je vous ferai pas de bois pour le waf, hein, pour le chien. Mais... Hein, quoi? Quoi? Elle est là depuis combien de temps? Hein? Tu as quelque chose à nous montrer? Je parie qu'elle va nous mener aux graines dont on a besoin. Ça ne peut pas être une coïncidence. Le vénérable nous l'a sûrement envoyé pour nous aider. Ce serait trop beau. Qu'est-ce que t'en dis, John? On y va? Alors, Oui, alors... Probablement, mais pas tout de suite. Puisque, eh bien, nous allons nous laisser là. Pour ce soir, on va récupérer le pain qui est en train de cuire. Je vais même, peut-être même préparer... déjà l'espace pour j'avais pas des pour le champ. Très bien, et ben je vais préparer ça et je pense qu'on va se laisser sortir mieux hein. Oh, Malrod qui retente de bosser sur l'établi. Ah, 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 je crois que je maîtrise la destruction au marteau. Bon, et ensuite Oh. Mais ça va exploser encore. Quoi? Ah. J'y arrive pas. Pff, c'est nul. C'est de la merde. Je voulais juste aider, même un peu. Enfin bref. Continue la construction, je m'occupe de malmener les monstres. Alors c'est très gentil à toi, Malrod, de te proposer à faire des trucs, mais... C'est pas pour toi, clairement. Oui, alors ça c'est bien, ça je m'en fous, ouais. Donc je voulais préparer... Voilà. Et du coup, il me faudra aussi la porte qui va avec. Voilà. On va préparer un champ, pas très très loin par là. Je pense ici, ce sera très bien. Hop. On va préparer ça et puis on se laissera là-dessus, je pense, pour ce soir.
Il y a peut-être moyen même de renégocier le tout ça. Hop. Hop là, on va remodeler un petit peu le terrain, hein, histoire d'avoir un petit peu plus de champ. Alors, c'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, hein. C'est des choses qui arrivent, comme on dit dans le milieu. Alors, top, finalement, on va l'utiliser, on va le poser là. Hop là. Non mais tu vas prendre ce bloc d'herbe et tu vas me le déplacer s'il te plaît, merci. Hop là. Ici. Et donc. Ici et voilà, et grande salle, très bien, et on va poser ça ici, voilà, comme ça ils vont transformer ça en champ. Top, top, et donc c'est là-dessus qu'on va se laisser tranquille. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à demain midi pour la suite des aventures de ce Dragon Quest Builders 2. Allez, à ciao, à plus, ciao, bye bye.